Bonjour, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vécue d'un type qui a été fortement marqué par ses tergiversations avec son ex-épouse et la pension alimentaire. C'est à la fin des années 90, j'avais commencé à travailler à mon compte, j'avais mon petit bureau et j'ai un de mes chums dans la chambre à l'aréna après un match de hockey. Il dit « Dan, je vais t'envoyer un de mes chums. » Il dit « Il a des problèmes avec son ex, sa pension, ça va pas bien. » « Parfait Rick, on va aller. » C'est que je reçois un appel du gars, il me rencontre. Un gars triste. Il gagnait une quarantaine de mille par année. Il me racontait que son ex lui en voulait beaucoup. Je sais pas ce qu'il me disait pas. Il avait vraiment l'air d'un bon Jack. Et puis, il y avait deux enfants dans le décor. Il dit, elle a lâché sa job. Je vais utiliser les termes. C'était du genre, elle vit juste pour me faire chier, la tabarnak. C'était juste ça qui sortait de sa bouche. Il disait, il me reste 100$ par semaine. Quand ils ont fini de tout bouffer, la perception de pension alimentaire et tout. Il était triste, ce gars-là. Puis en plus, il avait des problèmes avec l'impôt. Parce que l'impôt refusait des déductions pour enfants, ou l'équivalent de conjoint, je ne sais plus trop. C'est pas moi qui avais été le comptable. C'était pour ça qu'il était à mon bureau, d'ailleurs. Ça allait vraiment pas bien, son affaire. J'ai senti la détresse du type. Une profonde tristesse. C'était un bon gars. Et je me suis battu tant bien que mal pour régler son dossier au gouvernement en lui chargeant des honoraires modestes étant donné qu'il restait à peu près 100$ par semaine pour vivre. C'était pas drôle. À un moment donné, je n'ai plus entendu parler. J'ai revu son chum à peine quelques années plus tard. Je dis, puis qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Hey, tu sais pas? Il dit, il est mort. Quoi? Ouais, le cancer l'a bouffé. Je sais pas s'il avait 40 ans. Il en est mort. Et il me dit, ouais, mais c'est pas... Non. La douleur physique devient... L'émotionnel devient maladie. Et j'ai compris, cette fois-là, que ça l'avait bouffé tout rond. Et ça m'a sensibilisé. C'est le genre d'événement qui fait qu'on devient sensible à des causes. Et quand on en entend à répétition, 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 je ne suis pas plus fin que vous autres, moi, là. C'est juste parce que j'avais une job qui m'a permis d'écouter les gens. Aujourd'hui, j'aimerais lui dédier cette capsule et lui envoyer mes meilleures pensées, où qu'il soit. C'était vraiment un bon gars. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.